Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Mario, Super Mario, pour la licence, et c'est Mario et Yoshi. Sur la boîte, je vous l'incline un peu pour que vous n'ayez pas trop de reflets, il y a Yoshi et Mario. C'est une statue qui est en résine, c'est fabriqué par First Four Figures. Je vous avais présenté Sonic, qui était du PVC, et là, on a de la résine, on a vraiment une belle statue. Donc la représentation sur le devant avec le niveau de Mario derrière. Sur le côté, vous avez un petit portfolio avec des photos de la statue. Et sur l'arrière, vous avez aussi Super Mario Bros, les désignations et tout ça, une représentation encore de la statue. Et sur le côté, pareil, quelques petites photos. Sur le dessus, vous avez Super Mario, tout simplement. Voilà, une boîte très sympathique, vraiment à l'effigie du personnage. Je vous fais le montage et on se retrouve juste après. On se retrouve avec Yoshi et Mario montés. Alors c'est très très simple, hein, comme vous l'avez vu au montage, un socle, Yoshi, et vous mettez Mario et c'est tout. Alors, la version que je vous propose ici, c'est la version standard. Vous avez seulement ça dans la boîte. Il y a une version exclusive, alors je ne me rappelle plus exactement, il y en a une où vous avez, c'est-à-dire le nom, parce qu'il y a trois versions, il y a celle-ci, la version exclusive avec l'œuf de Yoshi que vous pouvez mettre sur le côté, donc je vous mets la photo. Et vous avez la version, ce qu'ils appellent définitive édition, où vous avez l'œuf de Yoshi, plus vous avez le drapeau de Bowser, un drapeau noir. Après, je ne me rappelle plus parce qu'il y avait aussi un drapeau de Mario avec l'emblème de Mario. Mais ça, je ne sais pas si c'était pour les 10 premières ou 100 premières commandes, vu que je pige rien en anglais. Enfin, voilà. Donc, cette version standard, elle est vraiment très jolie. Alors, on va commencer par le socle. Il est, ma foi, on va dire, un petit peu simpliste. Après, je sais que ce n'est pas ce qu'on demande à la statue d'elle-même, avec tout ce qu'elle représente par rapport aux jeux vidéo. C'est pas trop grave, on a cette texture un petit peu sur un effet gris bleu, bleu clair, je dirais, j'arrive pas bien à définir la couleur. Alors ça, je ne sais pas si ça me rappelle réellement un niveau de Mario, dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous rappelle quelque chose. Toutes ces petites, on va dire, les petites franges sur les côtés, là, ça, alors ça, c'est assez simple. Alors après, c'est vrai que c'est une statue en résine, moi je m'attendais à du PVC. Mais je dois avouer que c'est quand même joli, c'est très qualitatif. Vous avez après une très bonne couleur de vert avec les bandes foncées et plus claires qui rappellent les niveaux de Mario. Franchement, comme je vous ai présenté déjà celle de Sonic, celle-ci elle est aussi emblématique. Et celle que je vous ai présentée elle est en PVC, celle-ci elle est quand même en résine. Elle est beaucoup plus lourde, vous avez les spécifications dans la description de la vidéo. Alors ensuite, le Yoshi, ben alors on a des superbes couleurs sur le Yoshi avec ses chaussures couleur marron. On a les semelles. Alors au niveau du paint, c'est assez propre. Franchement, il y a vraiment, il y a quasiment pas de... Ça déborde pas. Voilà, il n'y a pas vraiment un endroit. Alors si je cherche à la loupe, je vais en trouver, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très léger. La pose comme ça où il démarre, moi je trouve que c'est super joli. On a ce blanc aussi, le blanc, le vert de Yoshi qui ressort super bien. Les couleurs sont très lumineuses, donc automatiquement, on a quelque chose de top, je trouve. Quand vous l'avez bien éclairé, elle est vraiment très jolie. Beaucoup de couleurs, vous avez ce gros nez là de Yoshi qui est assez emblématique, ce petit regard. Ensuite, vous avez Mario qui chevauche Yoshi. Et là, c'est pareil, hein, que ce soit au niveau des chaussures. Les semelles, tout est assez bien défini. Alors, on n'est pas dans les détails que l'on peut trouver, par exemple, sur des statues comics, mais déjà, on a quand même un joli boulot de la part de Force Figure. C'est aussi les couleurs hein, de Mario, le bleu, le rouge, les gants blancs, la moustache, les cheveux, enfin, tout y est. Je trouve que ça représente très, très bien, on va dire, les souvenirs que l'on peut avoir de Nintendo. Donc c'est pour moi une assez belle statue. Hein. J'aurais même préféré, maintenant que je vois celle-ci, que la Sonic soit aussi en résine, pour avoir un petit peu... pour pouvoir les mettre côte à côte, parce que c'est vrai que là, la Sonic, elle va faire vraiment petite comparée au Mario au niveau de l'échelle. Voilà, donc après, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette statue, mis à part la représentation iconique qu'elle peut avoir. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses et de ne pas avoir fait... Enfin, si j'aurais un point à vraiment à
à dire, ça serait d'avoir peut-être un peu plus travaillé le socle, mais je pense qu'ils se sont beaucoup plus reposés sur la statue que sur le socle. Le socle aurait pu être travaillé avec des logos, je pense, ou quelque chose comme ça. Enfin bon, ça c'est mon avis. Eh bien voilà les amis, il n'y a pas énormément de choses à dire, franchement, au niveau des détails de cette statue. Par contre, c'est un énorme coup de cœur pour les fans de Mario et de Nintendo. Moi j'aime beaucoup, alors j'irai pas jusqu'à l'avoir à la maison, quoique c'est joli aussi, c'est une marque vraiment d'un personnage de la pop culture, et pour moi je pense que les fans ne doivent pas se priver. Si cette statue vous intéresse, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien.